Jean-Michel Dutailleux à la console. L'équipe technique et informatique pour le corps, on se rend des Bertrand qui me fait les répliques, et bien tout ça c'est un travail de longue par des informaticiens, on peut faire la timeline, les images et tout. C'est Eugène Solka qui a la caméra ici, et je vais être en face. Et vous allez dire, vraiment par des jeunes que nous apprécions beaucoup, c'est Mélanie Paulboy et son mari qui n'est pas là aujourd'hui, et puis Yvette Larivière, mais qui s'appelle Larivière par mariage, mais non. Polonaise. Avec Spam, ses enfants et trois quatre paquets. Yves Nochester va le pays de la Vierge Noire. Poussé par la misère, cachant ici l'espoir. Il est très intéressant, il retrace l'histoire des Polonais en France. Et personnellement, ce qui m'a très touché, c'est l'histoire de la fermeture des mines et changement complètement de la région. Je suis polonaise de Pologne, mais c'est ça ce qui m'a touché le plus. Dziękuję. Ah, salut, toi aussi, ouais. Alors, je t'explique. Christian Leblond, Bernard Leblond, ce sont les fils du petit Leblond qui n'a pas retrouvé la Pologne sur la carte, qui a été déporté, qui a peint ce tableau et qui s'est marié avec une Polonaise. Eux, c'est des vrais ch'tiskis. Ils sont ch'tis, son père est originaire de Pologne, près de Calais, ils sont mitraillés dans les mines. Là, c'est Bernard Kaczmarek. Alors, là, son père aussi, il est mort à la mine. Il était gamin quand ils sont passés de son père. Mais elle est tous de Calonne et grand-père, c'était un Français, mais qui parlait polonais comme des vieux polonais. Alors, non seulement son père parlait polonais, parce que c'était un voisin, il disait à ma grand-mère, Jędob Bedudzinska, mais quand elle a été déportée avec des Polonais, il a encore perfectionné son polonais, et il parlait mieux polonais que les Polonais. Ouais, voilà. Donc ça, c'est... Aujourd'hui, à l'espérance, c'est toute notre vie. Hein. Et Bernard... Henri, bon, il a parlé de son histoire, mais moi aussi, bon, moi, j'ai connu ma femme à Merlemine et ma femme de Canonricoire, moi je suis canonnière, et mon fils est né à Auchel, donc voilà, ça regroupe un peu l'histoire des Polonais, voilà. Ouais, il mange rien. Il a touché tous les points de l'histoire surtout, et du secteur et du moment aussi, parce que enfin, quand tous les petits points, les azores ressortis, pour nous remettre en mémoire, c'est ça quoi. Hein. Donc on avait un peu oublié peut-être certains points, mais voilà, c'est que des émotions, quoi, parce que ça nous revient facilement. Et est-ce que vous recommanderiez ce spectacle ? Il faut le faire, il faut le voir. Je le recommande à toutes les communautés, quoi, italiennes, françaises, algériennes, marocaines, qu'on a côtoyées. On jouait ensemble, il n'y avait jamais de différence. Oui, je confirme, hein, je suis marine italienne. Voilà. Donc mes meilleurs copains, c'était des Italiens, des Algériens, des Marocains. Il n'y a jamais eu de problème entre nous. Voilà. Voilà. Les Français, ils aiment. Ok. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Bernard Christophe et Nicole. Nicole Leblond Skurzinski. Voilà. C'est toute notre jeunesse. Merci dans ce quartier, c'est ça. C'est bien parce qu'il est venu de l'Oise. Il est venu de l'Oise pour vous. Voilà, oui. Merci, Guillaume.